Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de USC Counterforce. Je crois que mon micro est pas assez haut. Hop, on va le monter un peu, voilà. On continue notre mission de nettoyage toujours. On va se faire un dernier tour de défense. Ça vaut le coup que je me tourne là, non? Là, ça vaudrait presque le coup de se tourner. Eux vont certainement vouloir jouer au con. Hop, hop, après on avance. Toi du coup, est-ce que t'as des petits soins à faire ici éventuellement? Là aussi. Vas-y, mets un bandage là et un bandage là. Et après tu défends. Ici il va falloir shooter celui qui s'approche là. Dès qu'on aura les moyens, on te mettra mieux que ce petit truc là. T'as un peu de marksman? Ouais, t'as quand même un peu de marksman. Allez, c'est parti. On termine cette mission dans cet épisode. J'ai confiance. Oh, pas mal ça. Des petits worms qui s'approchent, j'aime. Bim. On n'a pas encore vu de Shadow Envoy dans cette mission. Je pense que s'il y en avait un, normalement on verrait sa zone d'ombre sur la map. Assez petite hein, au final la map. Allez, ça en fait 5 de moins. Lui on peut compter qu'il est mort. Lui aussi. Lui il se faufile. Hein. Plus il se régénère. Il va s'arrêter. Ok, parfait. Parfait, 7 de mort, un petit scorpion là. Et les flammes sont bien éteintes, on va pouvoir commencer à avancer. Il ne reste plus que 7. Alors single, voilà. Ça suffit. Alors lui, ça c'est un roc qui va cacher notre ligne de vue malheureusement, il s'est parfaitement mis encore l'enfoiré. Sinon faut arriver ici avec quelqu'un qui a un tir en longueur. Peut-être plutôt toi, oui, ouais, c'est plus intéressant toi. Alors, attention toujours, hein, quand on sort de notre petite zone de défense, on peut tomber sur de la grosse saloperie. Hein. Il nous a fallu tout cramer là. Au moins on est protégé par ce gros caillou. Il n'y a pas qui sont apparus derrière nous. L'idéal ce serait d'avancer un peu ce Moïsis. Merde, arrête-toi. Lève-toi, j'ai pas eu que t'étais couché, excuse-moi. Alors là c'est fermé, donc s'ils arrivent, ce serait d'ici. Hein. Et là on voit que le rocher nous coince la vue. Toi du coup... Ouais, tu peux mettre... un petit coup de bandage là. Merde, il manque 2 PV. Là, ça commence à se sentir les PV qui manquent là. On va t'avancer ici. Ça soigne 80, ouais, c'est bon. Zmoï 6. J'aimerais que tu viennes jusqu'ici, s'il te plaît. Balance-moi un bioscan. Ok, il y a un ennemi là. Les autres, on les voit pas encore. Très bien. Défends par ici. Toi, tu vas défendre par ici, ici du coup. On va descendre là. On redéfend là. On va mettre... toi, je pense, derrière, pour avoir des munitions un peu spéciales. J'espère qu'il soit pas seul. Copy that.
Mieux de passer là. Holding position. Holding position. Tu défends. On va mettre ici. Reload défense, parfait, comme ça on couvre cet angle. Si jamais il y a un machin qui essaie vraiment de faire un truc à la con. Et retour, on va te mettre comme ça plutôt pour couvrir les petits rigolos. Chobiti. Toi, tu nous accompagnes, tu vas couvrir les arrières avec ta longue portée. Parfait. Il reste Quacknell et ses deux points qui va pour l'instant rien faire. Ok, bon. C'est un peu, c'est agressif. Ça a l'air, ça a pas l'air, hein, mais c'est agressif hein, comme placement. On a moyen d'arriver à court de zone de surveillance. Et non, ils sont enfuis. Excellent. Mission successful. On a réussi à les nettoyer. On a deux promotions. Chobinade et False Acteur. On a des petites médailles. Excellent. On a eu un petit dégât pris ici. On a pris vraiment très peu de dégâts des ennemis. Hein. C'est les tireurs en gros qui nous ont fait mal. Ouais, ça fait le taf. Hein. Franchement, les dégâts là, ils sont magnifiques. Ok, bien joué les gars. Donc il reste celle-là à gérer et on pourrait presque y aller en vrai. Hein. Il nous faudrait entre 8 et 14 mecs de nouveau. Alors à quoi ça ressemble? C'est nos armures, je pense, qui vont être le plus problématique. Eux, ils ont retapé leurs armures. Ouais. Lance-grenade qui a fait le taf, franchement, dans cet environnement-là. C'était vraiment cool. Et un petit combo lance-flamme et lance-grenade acide devrait également être hyper efficace. Oui, c'est ça, ils sont returning to base pendant un tour, donc qui en a de dispo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personnes de dispo. Alors on n'est pas du tout équipé, mais il y aurait peut-être moyen. Il y aurait peut-être moyen. Bon, niveau PV c'est tendu. Est-ce qu'on a un doc? On a un ingé. Deux ingés, trois ingés. Et un doc. Primary en biochimistrie, donc on pourrait lui mettre des gros trucs de soins et premier truc qu'il fait de son tour, c'est soigner tout le monde. Ce sera une option. Après, est-ce qu'on est vraiment dans le rush? En vrai, oui, hein. Parce que prochain tour, il faut qu'on envoie du monde là. Et dans l'idéal, du monde là. Et dans l'idéal qu'on nettoie cette horde pendant qu'elle est pas trop grosse. Un seul doc. Si c'est une mission comme ça, enfin l'avantage hein, des hordes, hein, surtout que là du coup, pour le coup là, on était dans les montagnes, là on va être en terrain ouvert. Le terrain ouvert, ça peut être tendu. On pourra aussi les nuke, hein, si on veut. Mais bon, je pense que c'est peut-être un peu tôt de commencer à utiliser ça. Et là, il y a une horde aussi, tiens, qui est apparue. Une horde facile, mais une horde quand même. Après, il y a un nid, donc il y a moyen que la horde se renforce au fur et à mesure. Déjà, il faudra qu'on lui améliore son stuff, parce que là, c'est n'importe quoi son équipement à lui. Mettons qu'on se dit, on essaye d'aller là. On prend toi, 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 on prend toi.
On les squatte deux. On prend toi, on prend toi, on prend toi. Toi et toi. Ok. Ça nous fait 1, 2, 3, 6 et 5, 11 personnes. Et niveau équipement, un sniper, donc un doc, quaker, arme de corps à corps. C'est pas mal, on n'a pas trop de lourd. Hein. On a lui du coup qui a ça. Attends, ça me coûte un AP de champ d'armes. On a lui qui a ça. Là, il faudrait qu'on mette des munitions rapides, là aussi. Ici c'est du standard, ouais, faut qu'on vire tout ça. Lui il a un petit peu de ignition quand même. Là on est sur du perçage d'armure, pourquoi pas, mais il faut qu'on vire ça. Qu'on vire ça. Qu'on vire même les grenades, je pense. Ouais, en plus toi t'as... Ah non, il n'y a pas le maximum en... Là c'est forcément des munitions. Ouais, ça. Il n'a pas la spécialisation qui fait qu'il peut mettre tout où il veut. Le couteau, franchement... Ça, c'est bon, quoi. On peut peut-être se passer de ça, mettre la grenade là, ouais, par exemple. Ça paraît pas mal. On peut garder les grenades histoire d'eux, mais... Ça, on le stash. On prendrait ce truc là pour pouvoir faire des gros soins. 160 de vie. Donc on peut soigner jusqu'à 80 PV. Et c'est quoi son deuxième? C'est électrotechnique. Ouais, ok. Bon, c'est pas hyper. Hyper pertinent dans le contexte. On lui enlève ça parce que ça ne sert à rien. Et on le blinde de soins, ok. Là on a des armures, c'est pas mal. Malice la tranche et broody mur, ça c'est quoi? Armor repair kit, ouais pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On aurait deux snipes. Un tactical laser éventuellement. Ici on a du high explosive. Ah oui, on a du lance-grenade avec Malvin Junior quand même. Primary heavy en plus. Et ça met forcément des dommages à l'armure et forcément du bleeding. Même sur un pas coup critique. Donc elle est là pour faire des flammes. J'aime bien l'idée. Ici on a plus trop de munitions quand même. La wielding torche nous sert à rien, mais de toute façon il n'y a pas de loot dans les missions comme ça. Et ils ont vraiment pas de points d'action. Putain, pourtant 5 level en agility, mais avec tous les trucs équipés. Ouais, c'est 15% ça, la vache. Ah, il y a 10% de réduction de dommages, hein, qui fait plaise. Mais c'est vrai que 15% d'AP, mine de rien, ça joue. Hein. Donc toi, t'as du perçage d'armure, ça me va pas. C'est parti. On unload tout ça. Ça, on stocke. On va t'en laisser un peu, mais on va vouloir du ignition. Ignition... Reload, on en craft un peu plus et on va te donner ça à lui. Voilà. Ici, on est sur de l'AP, on va garder ça. Par contre, en termes d'équipement, alors c'est, alors ça, on en a plus du tout. Donc ça, on va, putain, ça coûte 500 balles pièce quoi. Il en faut 5. ...4000 pour un trauma kit. On va en prendre un qu'on fera en sorte de ne pas consommer du coup.
On va prendre 5 bandages. Et 10 nouveaux places pour le poison éventuellement. Pour le poison, pour le bleeding. Toi, t'es en émission, c'est bon. Toi, bah, t'es un tank. Toi, t'es un tank. Toi, t'es en émission. Toi, t'es en émission également. Donc, c'est ici qu'il va falloir faire des trucs. Toi, t'es en émission, mais il te reste pas beaucoup de munitions. Attends, j'attends un petit peu. Toi, c'est quoi ton problème? Ah oui, tout ça c'est du standard. Ouais, c'est pas possible ça. On va te filer de l'initian également. On commence à avoir plus de thunes. Alors là, toi, t'es bien chargé, hein. Armor Repair Kit, le bouclier, Welding Torch. C'est basé sur quoi, ça? Rien de particulier. Look Ingénieur, mon cher. Il faudrait des munitions acides. Plus de thunes. Converteur. On a 400 trucs comme ça. On voudrait des sous. On va prendre 10 000 balles. C'est parti. Ah non, putain, c'est des ressources points que j'ai pris. Ah, on peut pas récupérer de comme ça. Ok, on peut pas prendre deux comme ça, très bien, ça on peut pas en acheter. Et bah du coup tant pis, on va le faire à l'ancienne. Ça on peut pas dismanteler, hein. Non. C'est chiant. C'est très chiant. Et vas-y, charge dedans, c'est comment? Ah c'est shift. Pardon. On inverse. Bon, on va garder au cas où, mais... il nous faut de la, on peut pas faire avec de la munition de base. Ah, toi, t'es équipé en comme ça, ok. T'as un chargeur de comme ça, un demi-chargeur. Du coup, on va t'en prendre un peu. Et toi, bah du coup, ouais, tu gardes ça, gauche shell. En stock. On va en prendre du coup. On va en prendre, on va pas se faire chier. L'hydrazine, on en a pas tant. Hein. Alors on a l'hydrazine Infernomix avec notre... comment? On stock, on va les prendre. Parce que ça, je crois, disperse, ça consomme... 9 ammo et l'ignite 3. Ouais, on a quand même moyen d'en faire un peu là. Et après, on a les grenades si besoin. Et oui, l'hydrazine infermomix, c'est parce qu'on est amis avec l'institut qu'on a ça. Mais alors, ça coûte tellement cher. On peut même pas l'acheter, on ne peut que le crafter celui-là. Donc, de toute façon, c'est vite vu. Et deux de max. Ça, c'est bien. Enfin, il est excellent, hein. Franchement, plus 25 de dommages max, pff, on passe genre de 25-50 à 50-75 quoi. Plus de dommages de feu supplémentaires. C'est hyper bien. Il va falloir qu'on dismantle quelques trucs par contre. Parce que là c'est trop tendu.
Le moral stimulant, ouais. Ça, on va le garder. 24 chemistry. Le chemistry est un vrai problème. Hein. Le chemicals est un vrai problème. Du coup, on pourrait se déployer comme ça. On va vérifier. On a un lance-flamme chargé. On a du minigun acide chargé. Et toi, t'es un soldat, donc t'as rien d'autre pour le moment. Ouais, pareil. Un bioscanner. Le bulletteur. Là, on a un quaker chargé à l'ignition. On va quand même prendre quelques munitions standard si jamais ça part vraiment en couille. Toi, file ça à elle. Voilà, comme ça elle a une stack un peu plus complète. Ça, c'est du standard. Ouais. Pareil, on va prendre ce qu'il faut. Ici, on est sûr de l'AP, tant qu'à faire. On va lui blinder son inventaire. Toi, emission AP, parfait. Toi, t'es au corps à corps. Toi, t'as de l'initiation. Alors, il y en a 93, mais avec le snipe, d'ailleurs, on peut le recharger. C'est quand même pas trop gênant. On va vérifier le chargeur de toutes les armes aussi, vu que visiblement, c'est pas trop chargé. Allez, je me tâte de la faire commencer avec le grenade launcher équipé. On va plutôt faire ça parce que c'est moins cher si jamais de faire revenir ici que d'équiper ça en urgence. On a aussi un petit biosyn scanner éventuellement. On est chargé. Eh bien écoutez, c'est parti. On essaye de se faire la deuxième horde. Avec encore plus de monde que la première. J'espère que ça devrait être passé normalement. Alors, voyons voir à quoi ça va ressembler. Destroy the Horde. Ok, on commence en mode à poil. Et cette fois, niveau protection. C'est pas la même. Il y a ce caillou qui va nous gêner potentiellement. Celui-là peut-être presque plus. Alors soit c'était un bug qu'il a réglé, soit il n'y a pas de shadow, mais en tout cas on voit pas de nuage de shadow. Par contre dans cette toute petite map, il y a 84 ennemis. Alors, le premier truc c'est le dock là. Gaël Doc. Ici, il manque un peu moins de 100 PV. Normalement, si je soigne avec ça, ça reste parfait. Broodymur, il te manque 52, 70 PV. Pareil, si je te soigne avec ça, c'est bon. Tu vas aller là. Tu vas pareil, t'as plus de points. Est-ce que éventuellement tu peux mettre un coup de bandage? Le bandage c'est 32 donc 15 PV max, ça me paraît chaud. Là non. Là 194 pour non. Et là pas du tout. On n'a pas d'armure sur pas mal de gens, hein. Faut leur faire gaffe quand même. Hein. Ok, bon par contre ce qu'on a c'est du tank. Même s'ils ont popé à l'arrière. Broodymur, tu vas te mettre là. Ok, on voit un scorpion. Et tu tombes. Et du coup, Malice, tu vas te mettre là. Et tu tankes. Ensuite. Holding position. C'est parti pour se mettre en position défensive. Ça va probablement arriver plutôt en diagonale, je pense. Toi, t'as relativement de l'armure, donc vas-y, viens là. On va claquer un biosyn scanner.
Ok, ça arrive plutôt par là quand même. C'est parti. Du coup, bah ici, on va équiper ça et on va se mettre ici. Il faut aussi qu'on protège un peu par là. Hein. Donc, vas-y, toi, protège par là avec un pinpoint. Enfin, il était par là au début. Le soldat d'Onyx, hein. Toi t'es à l'initiation, ouais. Alors ça fait peut-être un peu trop de monde pour le bas là. Toi j'ai envie de te dire, tu vas venir ici. Et tu vas t'accroupir. Parce que je pense que s'il y a un endroit où on va balancer des flammes, c'est en première ligne. Tu vas venir là, t'accroupir et tu vas protéger cette zone là. Et du coup, ouais, toi tu vas couvrir ça et toi tu vas protéger par là. Il reste Malvin Génieur qui est où? Qui est là? Avec son petit SMG à flamme. Allez, c'est parti. Ok, ça commence par un petit Worms. C'est fait. Faut soigner Flamana, stop absolument, et Luke Ingénieur aussi. Comme d'hab, hein, première vague, on va nettoyer les petites saloperies. Espérant qu'il n'y ait pas trop de grosses saloperies qu'on profite pour s'approcher. C'est le tour des scorpions, il va bouger. Fire! Attack! Target hit! Engaging enemy! Attack! C'est moche ça. Engaging enemy! Eh! Fire! Oh, à un moment, faut arrêter de cramer des zones pour rien. Notre premier alpha. Fire! On lui met le feu. Ok, là il a bien mangé. Mais nos zones aussi. Hein. Lui il se protège derrière le rocher, c'est bien joué de sa part. Mais il meurt quand même. Putain, on en est rendu co-crawler. Hein. Qui c'est qui rate tout là? Ouf. Ok. Bizarre son mouvement. Peut-être qu'il voulait essayer de se faufiler pour aller taper là. Okay, c'est le tour des mouches. On n'a plus beaucoup de zones de défense déjà. Ok, on est déjà au contact. Ça fait pas plaisir. Flamalastre a foiré ses tirs de pompe. Un truc de fou. Ça me plaît pas trop, franchement, cette configuration là. Il y a peut-être quelques grenades sympathiques à mettre. Ça va être l'heure des crawlers et des mothers. On va être assez loin, ça va. Là, il y a de la grenade à mettre. Target hit. Attack. Ok.
Eux, on va les cramer déjà. Voilà, comme ça au moins c'est fait. Toi, t'as le lance-grenade. Bah, tu vas le reprendre. Toi, tu vas mettre un petit coup de scan. Alors, il faut que tu utilises ça. Et après, que tu utilises ça. I can't do that. Et là... Ouais, non. C'est toujours 50-102. C'est pas possible d'utiliser autre chose. Bon. Bon, bon, bon. Ouais, d'accord qu'avec eux devant, là, ça sert à rien. Donc, tout ce qu'on va faire, du coup... On n'a rien d'autre à faire avec lui. C'était cramer un petit peu de points. En en gardant juste ce qu'il faut pour pouvoir passer en défense. C'est toujours ça de prix. Là on va passer en Uberquack. Nettoyer ça. Il faut qu'il meure malheureusement puisqu'il bloque la ligne de vue. Voilà, et toi maintenant, tu peux tirer jusqu'ici. Tout ça. Lance-en deux. C'est déjà pas mal. Lui, il se régénère, donc il a récupéré ses flammes directes. On a direct des crashers. Hein, donc, ça pose problème. Putain, il prend que dalle comme dégâts. Ça fait chier. Là, tu peux faire un précision de shot, mais pas là-bas. Ici, non, pas ici. 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 Ok. De balancer une petite grenade, j'ai envie de dire, vas-y. Voilà, un petit peu plus de dégâts. Putain, il est même pas mort lui, sérieusement. Par contre là, de la balle acide sur sa mouille, ça va faire plaisir. Ça c'est fait, pas mal. Pas mal, pas mal. On pourrait disperser un peu d'hydrazine à droite à gauche pour que ceux qui s'approchent prennent un peu de cher. Vas-y, après tu reload. J'aurais touché le mec derrière, mais non. Malheureusement, ça ne passe pas. Toi, t'as plus de points. Toi, t'es en défense. Toi, tu nous désactives ça. Tu vas le garder équipé, mais t'as plus de points. Et on a encore tous nos points. Est-ce que ça vaut le coup d'avancer ? Je suis pas convaincu. On va se contenter de défendre. Est-ce qu'on peut éventuellement... ouais, on peut éventuellement réparer... Là, voilà. Holding position. L'idéal, ce serait de mettre le feu à cela, non ? Target hit. Attack. Oh la vache, c'est mauvais. Ok, mais du coup, reste en défense plutôt. Ici. Lui il me fait chier là, mais je vois pas comment je peux m'en débarrasser facilement, ou même pas facilement d'ailleurs. Il va faire des dégâts de zone. Et le
je vienne ici avec toi, ou même mieux avec toi. Roger that. Engaging enemy. Là on va faire des gros dégâts. Voilà, il est mort. Replier ici. On va mettre toi devant. Tirer là pendant que j'y étais, j'ai pas encore. Je craque des points pour pas grand chose, on va te mettre là. Vas-y, reload, défends. Toi qui vas défendre sur cet angle-là, toi tu défends tout ce qui vient d'ici. Ah, personne derrière nous. On n'est pas bien là, hein. Enfin on n'est pas bien. Ça va, mais c'est pas non plus oufissime quoi. Il reste la soldate là qui a encore tous ses points. On va recharger, défendre. Et il y a moyen qu'on prenne là. C'est Malvin Junior qui a ses 6 points, donc oui. Et lui a été tranquillisé, parfait. L'alpha mort. Il a survécu. Aussi. Mais ils vont peut-être s'enfuir parce qu'ils sont quand même très mal. Warm Pig là. Et en plus on la rate. Ok, il va pas plus loin, il coince ses copains, parfait. Faut arrêter de miss. Hein. Putain, ils sont mauvais hein, par contre. Hein. Les graisses de les miss. Ça nous aide pas trop, les gars. Enemy down. Too easy. Lui, on l'a laissé, mais il a debilitating, donc il fera 75 de dégâts en moins. 75% de dégâts en moins. Target hit. Enemy down. Engaging enemy. Oh là là. Attends, ça y est, on a plus de zone, ils peuvent se précipiter quoi. Waouh. Ah, on va prendre cher. Hein. On va peut-être devoir se replier plus rapidement que prévu. Attack. Ça pétait pas comme j'avais prévu, mais bon. Target hit. Engaging enemy. Gotcha. Attack. Parce qu'on a plus de zone. Lui il se replie, donc il va probablement crever. Elle se replie, elle va crever. Oh putain. OK. En plus les petits skitters n'ont pas joué, donc c'est à dire que les trois nouveaux qu'on a créés là vont jouer peut-être. Usbarn qui mourra. Waouh, il commence à douiller. Ça y est, en plus c'est l'heure de eux là. Oh là là, l'alpha. Waouh. Ok, Flamalastre a progressé d'une case. Ah, il faudra qu'on se replie là. Je
Je vois pas comment on va gérer tout ça. Ah putain, ils en sont même à rentrer dans la zone quoi. Ok, bah on va reculer, on va balancer tout ce qu'on a et après on se replie je pense. Parce que là on pourra pas tenir, rien qu'avec les crashers derrière là, la première ligne à éliminer. C'est pas possible, lui s'il survit déjà c'est bien. Et l'objectif c'était de diminuer un peu le nombre. Bon, on en a pas tué tant que ça malheureusement, mais on a diminué un peu le nombre. Si on peut faire finir les gros là. Ils sont arrivés un peu tard malheureusement. Ça pourra le faire. Mais une fois n'est pas coutume, on va arrêter l'épisode là. Il est suffisamment long. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me dire ce que vous en avez pensé. À me donner des petits noms si vous voulez. Il y a toujours des soldats non nommés qui vont survivre, j'ai confiance. On se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde.